I think the line can start moving up now, thank you. Can I ask you a question? What do you do for a living? I'm an elementary school teacher. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la co-op, il faut y travailler, à titre bénévole, 2h et 45 minutes par mois. À l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, des telles petites coopératives étaient nombreuses, mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérentes à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 m². Mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes, pardon, excusez-moi, pardon. Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres. Et le co-op accepte maintenant que ses membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires en New York qui se dépêche à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Ce modèle fondé sur le travail bénévole a un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied, chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle « The Line Waiters Gazette » ou, en français, « La Gazette des faiseurs de queue ». Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma. Et essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses.